pire. Il est 20h, on est vendredi 26, on est à l'aéroport de Saint-Exupéry. Je t'épargne tout le trajet. À ce moment, Tristan ne se doute pas du merdier dans lequel il s'est embarqué. Effectivement, je m'attendais à te faire une transition stylée, un truc un peu comme ça, mais ça s'est pas du tout passé comme ce que je pensais. Family, on est au tout début de ce périple. Là, normalement, on arrive dans à peu près 30 heures à partir de maintenant. Et je viens de me rappeler à mon dernier voyage, je crois que je rentrais de Bangkok, j'ai cassé la roue, c'est-à-dire que ça ne roule plus. Ça rase. Il y a 30 putains de kilos là-dedans. Ça va faire de la muscu. Sans muscu, genre, tout va bien. Petit train qui rentre en gare, petit chargage de valise, petit boulot et sieste dans le train. On est bien, road to Paris. Vous n'imaginerez absolument pas ce qui vient de se passer. On s'est putain de trompé de sens à la gare de Lyon. J'ouvre les yeux après un petit siège, je vois Aix-en-Provence dans ma tête. Aix-en-Provence, Paris, il y a un problème. Il est 21h39, on est à putain d'Aix-en-Provence. On doit aller à Paname, on a l'avion pour aller à Londres et après pour aller à Vegas qui part demain matin. Il faut qu'on trouve le moyen d'aller à Paris et qu'on y soit dans moins de... 10h. Putain de mecs qui savent pas indiquer des trains. En provenance. Là dans l'autre sens, c'est sûr, c'est mort. Marseille-Saint-Charles. Le départ des deux autocars est imminent. Quelle bande de... Et si on va à l'accueil et qu'on leur demande, non? Les gars, on a appelé tous les putains de loueurs de voitures. Ils sont tous fermés. Je suis allé voir les taxis. Les taxis, je leur ai dit combien vous prenez pour nous amener à Paris. Ils nous ont dit 2500 balles. On a dit. Apparemment, il y en a un qui part. Ouais, putain. Allez, go. On y croit. Alors, excusez-moi, vous savez où c'est la location de voiture, des fois? On doit être à Londres dans 7 heures. C'est là. Les gars, c'est une galère, ça rase. C'est le pire rush que vous avez jamais vu de toute votre vie. Il est 22h01. On doit être à Paris. 7h. Vous l'avez? La vie part à 7h. Fatima, ta tête, sa grand-mère, si on est pressé, t'as jamais vu ça, gros. Gros, on était à Lyon, on a un avion pour Vegas. 4000 balles le voyage, 4000 putains de balles. On se réveille, on voit Aix-en-Provence. Ah ouais, là. T'imagines le stress? 500? Bah les couilles, donnez même un chariot, un tracteur. Bah on nous a dit que c'était une Twingo. C'est bien, Fiat 500, c'est très bien. Ça va pas le faire? Bah c'est... Les valises? Ah les valises c'est violent. C'est gros, ça rase. Les valises, il y a 60 kg de valises, il y a 200 kg ici. Ah ouais, c'est chaud. Ah non. Vous allez pas avancer là. Non, ça c'est pas grave, je vais la rouler en seconde. Oh, vous savez que vous nous sauvez la vie là. Les gars, le rocard et la vie. Fatima à l'accueil. Ça commence bien. Ils nous donnent même des capricènes pour la route. Tu gères, genre vraiment. Merci beaucoup. J'ai jamais conduit ça de ma vie. Il faut rusher, il faut être à Paris dans 6 heures. Ça va, genre, waouh. Sa grand-mère. Ça sent bon, ça sent la fraîcheur. Motherfuckers! Ça rentre pas ta valise? Ça rentre pas? Merde, super, tout va bien. À ce moment, on pose la caméra, on focus sur le fait d'aller vite, d'être efficace. Et je me demande juste comment je fais pour allumer cette voiture parce que j'ai jamais conduit un truc comme ça de ma vie. Family, on vient de se rendre compte il y a une minute, vraiment il y a une minute sans caméra. Selon Waze, on arrive à 5h15, l'avion est à 7h, c'est un rush, mais c'est un rush parfait. On arrive, on a le temps d'être à l'heure, de s'enregistrer, on part direct dans la foulée. Pas de frais supplémentaires, on vient déjà de payer une voiture 600 balles, hein, on va à 300, on s'en affranchisse. Bon, Armand, explique-nous ce qui vient de se passer. C'est simple, hein. John, si jamais tu gères le montage de la vidéo, faudra que tu gères ce petit moment où je suis un peu bordel avec la caméra. Alors ce qui se passe, c'est que du coup, je prends mon téléphone pour regarder les billets, confirmation, l'heure, etc. J'appuie sur le billet. Premièrement, il me dit, on n'a pas les billets. Alors, ce qui se passe, c'est que vu que c'est une collaboration, c'est son agent qui s'en est occupé, qui a envoyé les billets, etc. Je les ai eu aussi. Et on n'a pas forcément pris le temps de regarder. Depuis le début, c'était clair qu'on partait le 27. Sauf que je viens d'aller regarder sur son téléphone les billets et nous partons le 28. Donc... bon, au final, c'est pas plus mal. Donc on a payé une putain de voiture pour rien. On a rushé sa race pour rien. Et là, je crois qu'on va juste rentrer chez moi. Parce que je vais pas rusher pendant 7 heures tout nu sans avoir mangé jusqu'à Paris s'il y a pas de putain d'avion. Au final, c'est pas plus mal. Parce qu'à tout moment, il y avait un accident sur la route. Et faites quand même attention que les petits moments de prévention, quand vous avez ni dormi, ni mangé, ni quoi que ce soit, d'envoyer 7 heures de route. Là, ça va sûrement rentrer à Lyon et repartir en fait tranquillement demain. Et on aura juste cramé une nuit. 300 balles. Il y a aussi le Ouigo qu'on a payé pour rien. Allez hop, 400 euros. Je leur raconte la gare? Ouais. Alors, on est à la gare, on arrive pour prendre le train. Il y avait deux voies. La fille d'en haut nous dit, il y a déjà un train sur cette voie là. Connard!
Elle nous dit, non mais elle nous dit, vous prenez pas celui-là, vous prenez celui d'après. En sous-entendant sur cette voie-là. Le train arrive, donc il y avait un train, il était déjà là. Fallait qu'on prenne celui d'après sur la voie sur laquelle était déjà un train. Un autre train arrive sur la voie d'en face. Tristan me dit on y va. Je lui ai demandé facilement 4 ou 5 fois si c'était sûr que c'était lui, parce que j'avais quand même capté que c'était l'autre. Mais j'ai pas forcément l'habitude de faire des Lyon-Paris. Donc on prend ce train-là, tout se passe bien, on s'endort dedans. Et puis à un moment la fille dit on arrive à destination, etc. Donc je dis à Tristan on est arrivé. Et il me dit non, on n'est pas arrivé, t'es un touriste. Et là j'ouvre les yeux et je vois que c'est en Provence, TGV, sa race. Et là j'ai compris que c'était tout fucked up. Donc bon, c'est l'histoire la plus mais invraisemblable qu'il m'est arrivé, mais depuis facilement des lustres. On devait prendre un train pour aller à un autre endroit. Au final, l'avion c'est le lendemain, mais nous on le sait pas, du coup on descend, du coup on rush, on paye une voiture, on va pour monter et sur la route de monter et d'être parfaitement à l'heure après avoir rushé toute notre vie, on se rend compte que l'avion c'est demain. Fuck my life. Mon père il va me voir rentrer à la maison avec la voiture et il va me dire mais qu'est-ce que vous faites? Mais quelle histoire. Vous avez déjà entendu une histoire comme ça vous? Bienvenue sur ma chaîne. Si on va à Paris là, on arrive, imaginons à 6h du mat avec une petite pause, on fait quoi de 6h du mat à 24h après à 6h du mat? On va à Paris, c'est la meilleure idée. On arrive là-bas sans jet lag et tout se passe vraiment bien. Les gars, ça c'est juste l'introduction. Après, il y a un mois de carnage. Tout le temps, il se passe des trucs comme ça. Et en fait, avant que je commence à vlogger, j'étais tout seul à voir ces actions. Et des fois, je racontais des trucs, les gens me croyaient même pas tellement que c'était fou. Et maintenant, je partage tout ça avec vous. Et vous m'avez vraiment changé la vie. Je vous aime. Donc voilà, au moins, on partage mes conneries ensemble. Et tout le monde est content, quoi. Folia. On va appeler mon agent. Yeah, Yann de la Notte. Tu ne devineras jamais. Combien de faire? Jamais de la vie. Et du coup je vais te laisser deviner. Non mais il peut pas. Attends, Yoann, les billets c'était quand? Yoann, depuis le début on est là en mode c'est le 27. Je me suis dit genre trop bien, genre il est putain organisé. Au final il vous partage 24 heures avant. Bah le billet je l'ai jamais vu en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait la question. Ah fuck this. Et là on arrive 28 juillet 2020. Ah, là c'est plus de la faute, là c'est plus de la faute. Oui papa, tu m'entends? Ouais, tu vas bien? Ouais, ça va super. Tu vas te coucher à quelle heure aujourd'hui? Bah pourquoi? Pour savoir. Je sais pas. J'ai une petite surprise. On a un peu fait de la merde. On s'est trompé de train. Non. On est descendu à dans le sud. Putain, à... non. À Aix-en-Provence. L'avion, c'est dimanche matin. Bah merde. Il s'en branle. Minuit 52, retour à la maison, on mange, on se met un peu de caféine dans le sang, un peu de pré-workout. Faire un petit bijou à mon papa, voilà, en fait c'est pour ça. J'ai oublié de faire un gros bijou. Écoute juste mon dos qui cracote, attends, écoute bien. Oh. Salut père. Ça faisait longtemps, tu m'avais manqué. Merci père. Pour ce beau repas. La soupe est vachement bonne, je vais rentrer à la maison. A few inches later. Ça va que je suis un couche tard lève tard et que normalement je me couche à peu près dans une heure. Autant dire que c'est un voyage qui commence bien. Dis-moi dans les commentaires, genre raconte-moi l'action la plus conne que t'aies fait, genre en termes de perte de temps, en termes de trucs cons dans les commentaires. On va élire un top des commentaires. Le commentaire le plus con, promis, je vous offre un truc. Une boîte de barres protéinées ou n'importe quoi. Choisissez ce que vous voulez sur tout bulk et c'est Bibi qui offre. Sur le commentaire le plus débile d'un truc comme ça qui s'est déjà passé pour de vrai. Faites-moi relativiser. Allez. A très vite. Ok family, it's time for a restock. On a une petite salade de fruits, quelques minéraux et un petit peu de fibres. On a deux fromages bon nature pour 15 grammes de protéines plus ou moins disponibles parce que je connais pas trop la qualité de ces produits là. On a des œufs, fromage et un petit peu de viande par là pour avoir un bon apport en prot. Et ça juste pour accompagner même si je suis pas trop fan ou pas. Il est 7h38, on vient d'arriver à Paris. J'ai jamais conduit aussi longtemps d'affilée. La seule fois où j'avais pris la voiture pour longtemps, c'était moi qui avais conduit, j'avais fait un Lyon-Nice. Je me suis dit, waouh, c'est si long, 4h30. Et là, on vient de faire 7h. Tout va bien. 8h31. 20, ouais, à peu près 20, 22h sans sommeil. On est plutôt pas mal. Ok, family, on a... Du coup, 2 heures à casser avant de pouvoir intégrer la chambre en early mornings. Faut que je rachète une valise parce que la valise Auchan que j'ai trimballée dans les Anges, que j'ai trimballée à Bangkok, que j'ai trimballée à Koh Samui et partout où je suis allé, commence un peu à tirer la gueule. Ok, je savais pas qu'une valise ça coûtait aussi cher. Est-ce qu'on va checker ça sur Amazon tout de suite? Parce que là, ça va, les dépenses un peu. 117 euros, ça me plaît déjà plus que 169 quoi. You tired, brother? On y va? On y va. Ladies and gentlemen, on trouve de la Timbalaise partout. Ça bouge à Chicago, nous on part à Vegas demain, tout va bien. 9h.
59. On est parti de chez moi à 7h30. On a fait 14h30 de route pour faire ce qu'on aurait dû faire en 2h30. 14h30 de route sans compter les 8 heures de conduite. Regarde la gueule de mes poches. Allez, on se voit sur l'épisode numéro 2. N'hésitez pas à poser un pouce bleu si vous avez liké. Écrivez-moi votre plus grosse merde qui vous est arrivée dans les commentaires. On élit le plus gros ou la plus grosse malchanceux ou malchanceuse du game. Tous ensemble en commentaire. Je lui offre ce qu'il veut sur Bulk Paulus. Peace out.